Et aujourd'hui, je vais parler de prière. Dieu m'a dit d'enseigner sur la prière. Et avec le temps, plus le temps passe, plus je remarque que personne ne prie. On vient seulement à l'église pour prier 5 minutes. Mais on n'a pas de vie de prière. Et Dieu veut qu'on puisse avoir une vie de prière. La spiritualité se décompose en deux grandes parties. La première partie, c'est une relation personnelle avec Dieu. La Bible dit que Jésus a démolit le mur de séparation. Et il a mis en nous son esprit. Et la spiritualité, ça implique le mot esprit. Et être spirituel, ça veut dire que un esprit se connecte à un autre esprit. Et Dieu veut que tu puisses devenir un chrétien spirituel de prière. Et la première grande partie, c'est quand un chrétien entre en contact avec Dieu. Et ça, c'est par la prière. Et la deuxième grande partie de la spiritualité, c'est au travers de la parole de Dieu. Jésus a dit, ma parole est esprit et vie. Et à chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, tu es en train de recevoir l'esprit et la vie de Dieu. Et Dieu veut te remplir de son esprit et de sa vie. Et aujourd'hui, dans l'église, on a tendance à croire que l'esprit se reçoit uniquement par imposition des mains. On t'impose les mains et tu reçois l'esprit. Alors que la Bible dit de marcher selon l'esprit de Dieu. Ça veut dire que jour après jour, tu dois recevoir l'esprit de Dieu. Et cet esprit se reçoit dans la prière et au travers de la réception de la parole de Dieu. Et je veux que cette année, tu deviennes un chrétien de prière, de relation avec Dieu. Et Dieu va te remplir de son esprit. Voilà, et en fait, une fois, je me souviens, il y avait un frère comme ça dans l'église. Il allait chez tout le monde et demander aux gens, si tu meurs aujourd'hui, où est-ce que tu vas? Et moi, je l'accompagnais, je voyais que en fait, les gens, ça ne les touchait pas. Et en fait, s'il faisait ça, c'est parce qu'un jour, quelqu'un lui a posé cette question. Et l'Esprit de Dieu avait touché son cœur. Alors, il pensait que c'était comme une formule. Tu fais ça, Dieu fait ça. Tu dis ça et c'est là où Dieu va agir. Et personne n'a jamais été touché. Mais si on devient des chrétiens spirituels, remplis de l'Esprit de Dieu, tu le diras et ça touchera le cœur de la personne. Et Dieu veut t'utiliser. Mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que Dieu marche et fonctionne dans l'esprit. Et quand tu deviens un chrétien spirituel, Dieu va t'utiliser. Amen. Amen. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on voit 5 leçons sur la prière. Et pour cela, on va lire dans Matthieu, au chapitre 26. Matthieu, chapitre 26, du verset 36 à 46. Matthieu 26, 36 à 46. Je vais lire.
Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémané. Et il dit aux disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Et il leur dit alors, « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu veiller une heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna d'eux une deuxième fois et pria ainsi, « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et il leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Maze Yesu ashikana nabo ahantu hitwa Igetsemane abwira abigishwa biwe ati bamuricaye hano banze nje hajya gusenga ajana na Petero na bene Zebedayo bompi atangura kubabara no guhagarika umutima cyane arabwira ati umutima wanje uri nakabonge kagomba kunyica bamuragumye ha mubane maso nanje yunguruza imbere gatoya arubama arasenga ati data asangwa byoshoboka iki gikombe n'ikindengane ariko ntibibe uko jewe ngomba yamara bibe uko wewe ugomba agaruka kubigishwa asanga basinziriye abaza Petero ati ubwo nimurushe mubana maso nanje n'isahimwe nimuwe maso musenge ntimuje mu mosha mabi umutima ni ukunze ariko umubiri ufise intege nke yongera kugenda ubwa kabiri arasenga ati data asangwa bishoboka yuko iki kindengana shiti nk'inywereyeko nibibe nk'uko ugomba yongera kugaruka asanga basinziriye kuko amaso yabo yararemerewe yongera kubasigaho aragenda asenga ubwa gatatu avuga amajambo amwe n'aya mbere maze agaruka kubigishwa arababarira ati nimwisinzirire noneho muruhuke igihe kirashitse umwana w'umuntu ashizwe mu maboko y'abanyavyaha nimuvyuke tugende ehunguza ri hafi. Amen. Amen. Donc aujourd'hui nous allons étudier 5 leçons sur la prière. Uyu munsi tugiye kwiga inyigisho zitanu zivuge by'amasengesho. Et la leçon numéro 1. Icigwa cya mbere. C'est s'éloigner pour prier. Kivuga ngo kuja kwigira kure kugira ngo usenge. Au verset 36. Murongo wa 36. Il leur dit asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Et l'erreur principale que les chrétiens font sur la prière, c'est qu'ils prient seulement en groupe. Je vais dans un groupe de prière pour prier. Je viens à l'église pour prier. Et c'est une erreur. Jésus était un homme de prière. Et Jésus prenait ses distances. Et il faut que dans ta vie personnelle, tu prennes des distances pour prier. Donc, je voudrais que, ça c'est notre texte de référence, on va toujours revenir dessus. Mais là, on va lire dans Luc. Luc chapitre 6, verset 12. Luc chapitre 12. 6, 12. Non, je vais dire.
En ce temps-là, Jésus se rendit sur la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit à prier Dieu. La Bible dit dans un autre passage, Jésus alla dans les lieux déserts pour prier. Pourquoi est-ce que Jésus choisit ces endroits? C'est parce qu'il veut que personne ne vienne le déranger. Il a créé un lieu où il peut passer du temps avec Dieu, où il peut passer des heures avec Dieu. Et il faut que dans ta vie tu crées ta montagne de prière et ton désert de prière. Vous voyez, la majorité d'entre nous, on est trop occupés dans nos vies. On va occupé avec la famille, occupé avec nos émissions préférées de télévision, occupé au travail. Mais il faut qu'on apprenne à créer notre environnement de prière, notre montagne de prière, là où on se réfugie pour prier, là où personne ne vient pour nous trouver. Moi, personnellement, je me réveille le matin pour prier. La première chose que je fais en me réveillant, je pense à prier. Et je me réfugie dans ma montagne, là où personne ne peut me trouver, là où personne ne peut me déranger. Et je prie Dieu. Et j'ai développé cette habitude. Et jour après jour, semaine après semaine, j'ai mon temps de prière. J'ai mon habitude de prière. Je n'attends pas de trouver mon groupe de prière pour prier. J'attends pas de venir à l'église pour prier. Mais j'ai ma montagne de prière où personne ne peut me déranger, où personne ne peut me trouver. Nous allons lire ensemble dans 1 Pierre chapitre 4 verset 7. Petero. Dans 1 Pierre chapitre 4 au verset 7. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. La prière est une forme de sagesse. Voyez, quand on prie, on se connecte à Dieu. Et la Bible dit que l'Esprit de Dieu est un esprit de sagesse. Et plus tu passes de temps avec Dieu, plus sa sagesse vient sur toi pour t'aider à prendre de bonnes décisions dans ta vie. Voyez, plus vous passez de temps avec quelqu'un d'important, plus quelque chose de lui va venir sur toi. Et plus tu passes de temps avec l'Esprit de Dieu, plus l'esprit de sagesse va venir sur toi pour t'aider à prendre de bonnes décisions, pour t'aider à réussir ta vie. Et il est important que tu puisses être rempli de l'Esprit de Dieu pour être rempli de sa sagesse. Et la Bible nous enseigne que prier, c'est une forme de sagesse. Ensuite, ce verset nous dit, soyez sobre. Sobre, ça veut dire que tu comprends ce qui se passe. Tu sais ce qui est en train de se passer. Voyez, la Bible dit que le diable, en fait, séduit les nations. Séduire, ça veut dire qu'il te fait croire des choses qui ne sont pas vraies. Par exemple, tu vois quelqu'un qui est riche. Ça, c'est Dieu.
Je me souviens, il y avait une fille comme ça qui allait épouser un garçon. Et quand les gens voyaient le garçon, ils se disaient, ça c'est Dieu. Mais la vérité, quand cette fille s'est mariée, à peine un mois après, les larmes ont commencé à couler. Et vous voyez, quand on manque de sobriété, on n'arrive pas à voir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. C'est pour ça que quand on te dit en ville, ah, il y a un prophète, machin, tu y vas parce que tu te dis, ça c'est Dieu. On te dit, ici, il y a un homme qui prophétise sur ta vie telle et telle chose et ça marche. Tu te dis, je vais à la rencontre de Dieu. Parce que tu n'arrives pas à voir. Mais quand tu pries, Dieu va te remplir de ton esprit. Et tu arriveras à voir qu'est-ce qui est de Dieu et qu'est-ce qui n'est pas de Dieu. Je me souviens, il y avait cette sœur comme ça. Elle avait une offrande dans sa poche. Et elle était dans une église particulière. Et elle disait, Père, je prie que tu chasses le dévoreur. Et le lendemain, on l'appelle pour lui donner son visa à Canada. Et on l'appelle pour venir témoigner. Et on dit, ça c'est Dieu. Voyez, quand on n'a pas l'esprit, quand on ne prie pas, on n'a pas l'esprit de Dieu. Et quand on n'a pas l'esprit de Dieu, on arrive à voir seulement dans les apparences et non pas dans ce que Dieu est en train de faire. Tu n'arrives pas à voir la main de Dieu. Que tu ailles dans cette église ou dans une autre, tu ne vois pas la différence. Tu vois que ils sont habillés de la même manière que nous. Ils ont la même Bible que nous. Ils ont des trucs qui paraissent être intéressants. Mais tu n'arrives pas à savoir est-ce que Dieu est là ou pas. En priant, tu vas devenir sobre. Et tu arriveras à voir la main de Dieu. Tu arriveras à savoir où est Dieu et où est-ce qu'il n'est pas. Tu prendras un livre et tu te diras, ça, ce n'est pas de Dieu. L'Esprit de Dieu veut te diriger. Mais il faut que tu entres en contact avec lui. Que tu sois une personne de prière. Il faut que vous développiez votre spiritualité. Et après, ici, il dit, pour vaquer à la prière. Qu'est-ce que ça veut dire vaquer? On te cherche au travail. Tu n'es pas là. On te cherche devant tes habitudes de télé. Tu n'es pas là. Vaquer, ça veut dire que là où tu as l'habitude d'être, tu es en vacances de cet endroit. Et la Bible nous enseigne à vaquer de nos habitudes pour prier. Vous voyez, dans notre vie, on ne peut pas être débordé. Il faut que Dieu ait sa place. J'ai un ami pasteur comme ça. Il est en train de se remplir de choses à faire. Alors que la Bible nous enseigne à trouver de l'espace pour prier. Et la première leçon, c'est de s'éloigner de cette vie pour prendre du temps pour prier. Et il faut que l'Église de Dieu apprenne à ne pas être débordée par ses activités, mais à prendre du temps pour se séparer, s'éloigner des autres, pour prier. Deuxième leçon, on retourne dans Matthieu. Matthieu chapitre 26. Deuxième leçon sur la prière.
prier sur la volonté de Dieu. Verset 39, il est écrit, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux. » Dans la volonté de Dieu, il y a deux aspects. Premier aspect, c'est la connaissance de la volonté de Dieu. Et le deuxième aspect, c'est l'acceptation de la volonté de Dieu. Et la deuxième leçon sur la prière, c'est qu'on doit apprendre à prier sur la volonté de Dieu. Pour que Dieu nous montre sa volonté et pour que Dieu nous aide à accepter sa volonté. Un jour, j'étais ici dans l'église. C'était en 2012. Et je priais Dieu. Je priais, Seigneur, je te prie, montre-moi quelle est ta volonté. Est-ce que ta volonté, c'est que j'intègre le groupe de louanges? Est-ce que ta volonté, c'est que je porte une caméra? Est-ce que ta volonté, c'est que je fasse partie du protocole? Et j'ai reçu une parole de connaissance de la part du pasteur. Et il a dit comme ça, sans savoir que je priais. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu parles de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, l'Église ignore la volonté de Dieu. Aujourd'hui, on pense que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit riche, c'est qu'on soit bien, c'est qu'on construise une grande église, que les comptes de l'Église soient remplis. Tout ça, ça nous aide à faire la volonté de Dieu. Mais la vraie volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. La Bible dit que c'est la volonté de Dieu que tous les hommes de Dieu, que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité et soient sauvés. Et si tu ne pries pas, Dieu ne te révélera pas sa volonté. Il faut que l'Église connaisse la volonté de Dieu. Il y a un manque de connaissance de la volonté de Dieu dans notre Église. Quand je dis notre Église, je parle de l'Église dans le monde entier. Il faut qu'on prie pour connaître la volonté de Dieu. Vous voyez, on pense toujours que la volonté de Dieu, c'est que Dieu nous élève et nous fasse du bien. Mais la réelle volonté de Dieu, c'est que nous souffrions avec Christ. C'est que nous participions à ce que le monde soit sauvé. Jésus a dit, si tu veux être mon disciple, il faut que tu portes ta croix. La croix, c'est l'image de donner sa vie. C'est l'image de sacrifier sa vie. Et il faut que Dieu te révèle sa volonté. Vous voyez, il y a certaines choses qu'on sait dans la Bible. Mais quand on prie, Dieu nous les révèle dans le cœur. Et quand Dieu nous le révèle dans le cœur, c'est un nouveau départ pour obéir à Dieu et faire sa volonté. Jésus a dit, si tu gardes ta vie, tu la perdras. Mais si tu donnes ta vie, tu la retrouveras. Dieu t'appelle à perdre. Dieu t'appelle à donner ta vie. Dieu t'appelle à souffrir et non pas à gagner. Il faut que tu apprennes à donner ta vie pour accomplir la volonté de Dieu. Vous voyez, Jésus était appelé dans les gloires.
Mais il devait d'abord souffrir. Il devait d'abord être crucifié. Et la volonté de Dieu pour votre vie, c'est que nous souffrions, que nous donnions notre vie pour que Dieu puisse sauver les hommes. Et le deuxième aspect sur la prière de la volonté de Dieu, c'est que nous acceptions la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quelque chose de difficile. Personnellement, depuis que j'ai choisi de marcher avec Dieu et de faire ce qu'il me demande, à chaque fois, je me retrouve à faire quelque chose que je n'ai pas envie de faire. Mais je dois me forcer. Et je dois aussi prier pour que Dieu m'aide à accepter sa volonté. Un jour, il y avait une sœur dans cette église. Elle disait comme ça: Dieu veut qu'elle soit médecin pour refléter sa gloire. Dieu veut qu'un tel soit un bon ingénieur pour montrer ses dons. Voyez, la Bible dit que le diable est un menteur. Et s'il arrive à te faire croire un mensonge, vous n'arriverez pas à accomplir la volonté de Dieu. Et nous devons prier pour que Dieu nous révèle sa volonté et que Dieu nous fasse que nous ayons la force d'accomplir sa volonté. La volonté de Dieu paraît être une folie pour les hommes. J'ai croisé récemment mon ancien patron et il m'a dit comme ça: bonjour pasteur. Parce que pour lui, je suis un fou. Quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur. Quelqu'un qui est capable de faire de bonnes choses dans ce monde. Il vient et il donne sa vie pour Dieu. Mais avant de savoir ce que je devais faire et comment je dois le faire, j'ai prié et j'ai demandé à Dieu de me montrer. Et une fois qu'il m'a montré, j'ai dû prier pour que je puisse l'accepter. Parce que la volonté de Dieu est difficile. Et elle est une folie pour ce monde. Mais nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Dieu a choisi de nous utiliser pour sauver ce monde. Et chaque personne est importante pour Dieu. Une seule personne ne peut pas tout faire. Mais Dieu nous appelle chacun à mettre sa main dans ce système pour que le monde puisse être sauvé. Dieu veut t'utiliser. Mais il faut que tu connaisses sa volonté. Et il faut que Dieu prépare ton cœur pour accepter sa volonté. Et nous devons prier et encore prier pour que Dieu nous montre cette volonté de Dieu et que nous puissions marcher dans ces choses et réussir. Troisième leçon sur la prière. Au verset 40, on est encore dans notre passage de référence de Matthieu 26, verset 40. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre: vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi? Et la troisième leçon, c'est d'apprendre à prier longtemps. Vous voyez, une fois, il y avait une dame comme ça qui m'a dit: moi, je prie 5 minutes. Mais c'est 5 minutes puissantes.
Et moi, je lui ai répondu. Et moi, je prie plus d'une heure. Et c'est plus d'une heure puissante. Vous voyez, pour Jésus-Christ, prier une heure, c'est peu. Parce qu'il dit, vous n'avez même pas pu faire une heure. Même pas une heure. Alors que la Bible nous enseigne que Jésus était un homme de prière. Qu'il allait sur la montagne prier toute la nuit. Qu'il allait dans les lieux déserts pour prier. Et un des secrets de la prière sur le long terme, c'est le parler en langue. Dieu nous a donné le parler en langue pour que nous puissions résister longtemps dans la prière. Il nous a donné un don où on n'est pas obligé de réfléchir, où on n'est pas obligé de travailler. C'est juste parler en langue. Et Dieu nous a donné ce don pour nous aider à rester connectés de longues heures dans la prière. Moi, personnellement, quand je prie, je prie d'abord pour un sujet particulier et je prie 15 minutes en langue. Et après, je prie encore pour un autre sujet. 15 minutes en langue. Encore un sujet. 15 minutes en langue. Encore un sujet. 15 minutes en langue. Et j'ai fait une heure de prière. Vous voyez ce qui impressionne Jésus? C'est de passer plus d'une heure dans la prière. Et ça, c'est vraiment une leçon très importante. Parce que le plus longtemps tu restes connecté à l'Esprit de Dieu, le plus il pourra te remplir, le plus il pourra te changer. 5 minutes ne suffisent pas. On a besoin de passer du temps dans la prière. Ensuite, une des clés du parler en langue, c'est de prier doucement. Une fois, je suis allé dans une église et je voyais un frère. Et je me suis dit, dans 10 minutes, c'est terminé. Même pas 7 minutes, c'était fini. Et il sort. Je suis un homme de prière. Moi, j'appelle ça plutôt du sport. Non, il faut prier doucement. Mais longtemps. Pour rester connecté à l'Esprit de Dieu. Pour laisser à l'Esprit de Dieu le temps de venir sur toi. Je te jure que si tu me vois, tu ne peux pas savoir que je suis en train de prier. Ah, pasteur Jérémy s'est endormi. Parce qu'aujourd'hui, pour moi, 5 minutes, c'est inconcevable. Je dois passer une heure. Minimum. Je passe rarement un jour de ma vie sans prier minimum une heure. Et ça, c'est un grand secret. Une grande leçon sur la prière. D'arrêter de se dire, on prie, ok Seigneur, fais ça, fais ça, fais ça, c'est terminé. On doit apprendre à passer du temps dans la prière. Moi, je me souviens, mes parents, mon père, quand j'entrais tout le temps pour prendre ma douche, il y avait des fois où la porte était fermée. Et si tu venais le déranger, on savait tous que quand la porte était fermée, c'était fermé. Il avait sa montagne de prière. Il avait ses heures de prière. Et je vous jure, ça ne restait pas fermé 2 minutes. Hein. Si tu avais un truc urgent, tu savais que tu arrives, tu vois la porte fermée.
Je dois chercher une autre solution. Non, on doit venir devenir des gens de prière. C'est la base de la spiritualité. Une relation personnelle avec Dieu. Et pas une relation juste de 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes. Mais une vraie relation avec Dieu. Où Dieu va te montrer. Où Dieu va te changer. Où Dieu va te remplir. Il faut que nous apprenions à passer du temps dans la prière. Et à ne pas se laisser aveugler par les choses de ce monde. Aujourd'hui, on pense que quelqu'un qui travaille dans une ONG, c'est un bon chrétien. Il vient avec sa voiture, on le salue comme ça, papa. Alors qu'il n'a aucune vie spirituelle. Il faut que l'Église de Dieu se mette à prier. Une autre clé du parler en langue, c'est que si tu n'as pas de temps particulier, tu peux le faire en conduisant. Tu peux le faire en te lavant. Tu peux trouver des moments particuliers où tu peux le faire. Et ça, c'est une vraie clé. Un secret. Tu vois, si tu vas à ton travail et que ton travail est à 20 minutes, et qu'à chaque fois que tu poses tes mains sur ce volant, tu commences à prier. 20 minutes aller, 20 minutes retour. Tu as déjà fait 40 minutes. Il faut que tu apprennes à créer ta montagne. Tes habitudes de prière. Où tu peux rencontrer Dieu. Et être face à face avec ton Seigneur. Quatrième secret sur la prière. Leçon, pardon. Quatrième leçon sur la prière. On va lire verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. La quatrième leçon, c'est prier pour avoir la force de résister à la tentation. Dans cette vie, on est toujours tenté d'abandonner Dieu. D'abandonner l'Église. D'abandonner ce qu'on est en train de faire. De retourner dans le monde. Mais quand on prie, Dieu nous donne la force de résister à la tentation. Tes vieux péchés desquels tu n'arrives pas à te débarrasser. Dans le secret, c'est la prière. Une fois, il y a un frère comme ça qui est venu me voir. Il m'a dit, pasteur, j'ai une addiction et je n'arrive pas à m'en débarrasser. Je n'arrive pas à m'en débarrasser. Après un certain temps, c'est comme si je n'arrive pas à résister. Et il m'a dit, j'ai honte. Je suis indigne du Seigneur. Mais la quatrième leçon que Jésus nous enseigne, c'est que quand on prie, on reçoit la force de Dieu pour résister à la tentation. Aujourd'hui, c'est la fin de tes vieux péchés. Parce que tu vas devenir quelqu'un de prière. Je te vois devenir un chrétien de prière. Je te vois créer ta montagne. Ta vie va complètement changer. Et le secret alors, c'est que plus tu pries sans t'en rendre compte,
ta vie va changer. Les choses que tu faisais avant, tu ne les feras plus. Les problèmes que tu avais avant, tu ne les auras plus. Parce que Dieu va te changer. Dieu va transformer ta vie. Une des erreurs que nous faisons en général, c'est de croire qu'on devient saint par ses propres forces. On se dit, je dois renoncer à ça, à ça, à ça, à ça, à ça, et là je suis saint. Et on vient à l'église, on s'assoit au premier rang. Je suis un bon chrétien. Moi je ne vole pas. Moi je ne vole pas. Je ne mens pas. Je ne triche pas. Mais vous voyez, ça c'est faux. Le jour où la pression va venir, la tentation va venir, on verra vraiment si tu es aussi saint que ça. La vraie sainteté, elle vient de Dieu. Et Dieu te la transmet dans la prière. Et plus tu pries, plus Dieu va te changer de l'intérieur. Et non plus dans tes apparences extérieures. Vous voyez, quand on essaie d'être saint par soi-même, c'est la religion. On devient un pharisien sans même s'en rendre compte. Une fois, il y a une sœur qui m'a dit comme ça. Je croyais que j'étais parfaite. Mais quand la tempête est arrivée, on a vu qu'elle n'était pas parfaite. Mais si tu passes du temps dans la prière, Dieu va changer ton cœur. Il va te changer sans même que tu vois quoi que ce soit. Et plus tu passes de temps, plus Dieu va te changer et te transformer. Et sans t'en rendre compte, tu vas être quelqu'un d'autre. Tu vas correspondre à la volonté de Dieu. Et il faut que nous apprenions vraiment à être remplis de l'Esprit de Dieu. On va lire ensemble dans Jérémie, chapitre 6, au verset 9. Jérémie chapitre 6 verset 29 Le soufflet est brûlant, le plomb est consumé par le feu. C'est en vain qu'on est pur, les scories ne se détachent pas. Imivuba ivugutana inkomezi umuriro ugakurahi inkamba. Pour purifier quelque chose, on doit le mettre au feu. Et quand on le met au feu, ça met du temps avant que le feu puisse purifier. Et dans ta vie, plus tu vas passer de temps à prier Dieu, à être exposé au Saint-Esprit, son feu va te purifier. Et plus tu passes de temps, plus ce feu aura le temps d'agir. La Bible dit, les scories ne se détachent pas. Les scories, c'est les impuretés. Et plus tu vas passer de temps, plus les scories vont se détacher de ta vie. Plus Dieu va pouvoir réellement opérer un changement. Ça ne sera plus un jugement superficiel. Mais Dieu va faire son travail. Le secret de la sainteté, c'est de passer du temps dans la prière, à être en présence d'un plus grand que toi,
qui va détacher les mauvaises choses de ta vie. Mon frère, ma sœur, on a tous nos problèmes. Et certains problèmes sont impossibles à détacher. Mais Dieu peut le faire. Et il va le faire. Mais la leçon, c'est d'être purifié par son feu dans la prière. Dans les temps de qualité de prière que tu passes. Galates chapitre 5, verset 16. Il est écrit, je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si on devient un chrétien spirituel et qu'on marche dans l'esprit, on n'accomplira pas les désirs de la chair. Et le secret de la spiritualité, c'est de passer du temps dans la prière. Aujourd'hui, on a tendance à croire que être spirituel, c'est venir à l'église. Seulement. Et c'est faux. La spiritualité, c'est tous les jours. Ce verset dit « marcher ». Vous voyez, si quelqu'un va à son travail et qu'il marche un peu et il s'arrête, il attend une heure, deux heures, 3 heures, et il reprend la marche et il s'arrête et il attend une heure, 2 heures, 3 heures, et après il reprend la marche. C'est ce qu'on est en train de faire quand on est spirituel seulement en venant à l'église. Dieu veut qu'on soit spirituel tous les jours. C'est l'aspect de marcher selon l'esprit, marcher tous les jours avec Dieu. Moi, je connaissais un homme de Dieu comme ça. Il priait tout le temps. On entre dans la voiture, il lève ses mains et dit, Père, je te remercie pour un voyage sûr. Il passe à table. Je te rends grâce, Père, pour ce repas. Je veux lui écrire un message. Je vois qu'il s'est levé à 4 heures du matin pour prier. Marcher avec, selon l'esprit, c'est prier tous les jours et prendre du temps vraiment avec Dieu pour qu'il nous remplisse de son esprit. Aujourd'hui, on a tendance à croire que recevoir l'Esprit de Dieu, c'est uniquement quand on nous impose les mains. Mais Dieu veut qu'on marche selon l'Esprit. Jour après jour. Avoir une vie spirituelle. Être rempli de l'Esprit de Dieu. Que ça ne soit pas une affaire de mercredi et dimanche et pour les survivants, dimanche seulement. Mais qu'on ait une vie de prière et qu'on marche selon l'Esprit de Dieu. Être rempli jour après jour dans la prière avec Dieu. Cinquième leçon et dernière leçon au verset 44, Matthieu 26, 44. Il est écrit, il les quitta et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. La leçon ici que Jésus nous donne sur la prière, c'est qu'il ne faut pas avoir peur de répéter.
Moi, je prie tous les jours pour la même chose. Je prie tous les jours pour la volonté de Dieu. Je prie tous les jours pour que Dieu me donne son esprit. Que l'esprit de Dieu puisse convaincre les gens quand je parle. Je prie tous les jours pour qu'on ait la paix dans l'Église et dans ce pays. Je prie tous les jours pour que là où j'exerce le ministère, les gens puissent venir. Je répète la même prière. Et voyez, quand j'ai commencé à faire ça, je me disais, mais je suis juste en train de répéter. Mais c'est une leçon de Jésus-Christ. Colossiens chapitre 4, verset 12. Colossiens chapitre 4, verset 12. Épaphras, qui est des vôtres, vous salue, serviteur de Jésus-Christ. Il ne cesse de combattre pour vous dans ses prières, afin que vous teniez bon comme des hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Epafura wiwanyo umugurano wa Kristo Yesu arabatasha, yama abagwanira mu gusenga kwiwe kugira ngo mushikame mutunganye gose. Dans certains combats, un coup ne suffit pas. Tu as besoin de revenir à la charge, de revenir encore, de frapper encore, jusqu'à temps que tu aies un résultat. Voyez ici, Epaphras priait pour que cette église accomplisse la volonté de Dieu. Mais la Bible dit qu'il combattait dans la prière. Un coup ne suffit pas. Il priait avec insistance jusqu'à temps que le combat soit gagné. Ton proche qui n'est pas sauvé pour lequel tu pries. Tu as besoin de répéter. Tu as besoin de combattre jusqu'à temps que tu obtiennes la victoire. La leçon que Jésus nous donne ici, c'est que la prière, c'est un combat. Jusqu'à temps qu'on voit quelque chose se passer. Vous n'avez pas idée des prières qu'on a faites pour l'église de Kinama. Pas seulement prière ici au bureau, prière ici à l'église. Non, ça c'est rien. Ça c'est 0,1%. On combat. On combat dans la prière. Et c'est aussi un avantage du parler en langue. La Bible dit qu'on dit des mystères. On est en train de parler en langue. Personne ne nous comprend. Mais on est en train de prier pour un cas spécifique. On est en train de combattre. Un combat que personne ne voit et ne sait. Et c'est ça aussi une des clés du parler en langue. Tu combats sans même le savoir. Tu es en train de combattre certains problèmes avant même qu'ils arrivent. Et personnellement, je répète toujours les mêmes prières. Jour après jour. Semaine après semaine. Mois après mois. Parce que je sais que certaines choses ne se résolvent pas comme ça. Il y a un combat qu'on doit mener dans la prière. Ton proche va être sauvé, mon frère, ma sœur. Mais tu dois continuer le combat. Aujourd'hui, dans l'église, on a l'impression que prier, c'est seulement demander. Mais une des leçons que Jésus nous donne, c'est que la prière, c'est aussi un combat.
un combat qu'on doit mener pour obtenir des choses de Dieu. Et on doit apprendre à ne pas se décourager, mais à aller jusqu'au bout, jusqu'au bout de notre combat, qu'on puisse remporter ce qu'on est en train de faire et non pas se dire: Seigneur, je prie pour que ça et ça, ça se passe, amen. Et revenir voir que rien s'est passé et se dire: oh Dieu, où es-tu? Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu ne réponds pas à ma prière? Il y a un combat de tous les jours dans la prière qu'on doit mener pour que les choses de Dieu puissent venir et se produire jour après jour. Nous combattons. Il est écrit: il ne cesse de combattre. Ça veut dire que jour après jour, il ne cesse de le faire jusqu'au bout. Il ne se décourage pas. Il ne s'arrête pas. Il ne cesse de combattre dans ses prières afin que vous soyez pleinement persuadés et que vous... Non, là c'est écrit différemment, excusez-moi. Dans ses prières, afin que vous teniez bon comme de bons hommes faits, pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Et dans Matthieu 26, Jésus combattait dans la prière pour que ce qu'il avait demandé à Dieu puisse venir et se produire. Il l'a répété trois fois pendant plus d'une heure, jusqu'au temps qu'il ait vu le résultat et que l'ange soit descendu pour le fortifier. Il faut que nous apprenions à combattre dans la prière. Amen. Maintenant, j'aimerais te parler de quelque chose d'autre. Vous voyez, un jour, je suis parti voir quelqu'un et je lui ai demandé: comment est-ce qu'un homme fait pour aller au ciel? Et il m'a dit: ça, c'est la volonté de Dieu. Si Dieu le veut, tu y vas. Si Dieu ne le veut pas, tu n'y vas pas. Je suis ensuite allé chez un autre homme. Et il m'a dit: si tu as été baptisé, c'est là où tu sais que tu vas au ciel. Et puis je suis allé chez un autre homme. Et il m'a dit: si tu fais de bonnes œuvres, Dieu va t'accepter dans son ciel. Et puis je suis allé voir un autre homme et il m'a dit: si tu demandes pardon à chaque fois que tu fais un péché, c'est là où tu sais que tu vas au ciel. Et vous voyez, la Bible est très claire. Elle dit que Dieu a donné son Fils et que Jésus a été crucifié à la croix. Le salut, il se trouve seulement en Jésus-Christ. Et la vérité, c'est qu'il y a un jugement de Dieu. Il y a un jugement de Dieu sur ta vie. Il y a un jugement. Et la Bible dit que le jugement vient après la mort. Ça veut dire que quand tu vas mourir, Dieu connaît toute ta vie. Il sait que tu es pécheur et il va te juger. Mais Dieu t'a aimé aussi. Et c'est pour ça qu'il a envoyé son Fils Jésus-Christ. Et que Jésus a pris ton jugement à la croix. Il a été crucifié sur cette croix. Il a pris ton jugement à la croix. La Bible dit que Jésus était juste et qu'il n'avait aucun péché, mais que Dieu a choisi de le crucifier pour nos péchés, pour que nous puissions être pardonnés. Le secret,
c'est que si tu viens à Jésus-Christ, Jésus a payé le prix pour toi. La Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, on obtient le pardon de nos péchés et la rédemption. Dans le nom de Jésus-Christ, tu peux avoir le pardon de tes péchés et échapper au jugement de Dieu, avoir la vie et gagner le ciel. La rédemption, c'est que tu n'appartiens pas à Dieu, mais que en Jésus-Christ, tu appartiens à Dieu. Mon frère, il n'y a aucun effort à faire. Juste venir à Jésus. Parce que Dieu a pourvu en Jésus-Christ. Et que Jésus a tout accompli à la croix. Il a versé son sang à la croix. Et il a montré son sang à Dieu. Et Dieu a accepté son sang. Pour le pardon de tes péchés. Et la Bible dit que si tu viens à Jésus-Christ, que Jésus va te donner une nouvelle vie, qu'il va laver ton cœur de tous ses péchés et te donner la vie. Et certains d'entre vous, vous êtes encore dans vos péchés et vous venez à l'église. Vous essayez d'être comme nous. Vous levez vos mains au ciel comme nous. Vous priez comme nous. Mais votre cœur est mort parce que Jésus ne vous a pas donné la vie. Jésus n'a pas encore effacé vos péchés. Et aujourd'hui, c'est ton jour. Pour encore plus d'informations sur les activités de l'église El Shaddai, rendez-vous sur notre page Facebook Église El Shaddai de Bujumbura et interagissez sur des programmes mis en ligne en les partageant avec vos amis. Et n'hésitez pas à cliquer sur « J'aime ». Visitez aussi notre chaîne YouTube Église El Shaddai de Bujumbura où vous pourrez télécharger gratuitement les enseignements et les prédications que vous aurez aimés. N'hésitez pas non plus à visiter notre site web www.ministere-elshaddai.com.